J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur la Little Box du mois d'octobre. Et donc là, ce n'est pas My Little quelque chose box, c'est My Little Box by Diane von Furstenberg. Voilà, Voilà comment elle se présente. Donc voilà, on va dire DVF, hein, c'est le petit nom qu'on donne à la marque, ou juste Diane pour aller plus vite, parce que, désolé Diane, mais ton nom est super dur à dire. À première vue, la box se présente comme ceci. Donc on a My Little Box by, et puis là on a une police d'écriture assez sympa avec le nom et le petit cœur juste ici. Et là on retrouve un dessin de Kanako. Donc on suppose que ça représente la fameuse Diane. Donc on la voit allongée avec un téléphone à la main. Je trouve le dessin super sympa et on voit bien qu'elle a essayé de représenter quelqu'un, car le visage est assez différent de ce que Kanako peut faire d'habitude. Et la boîte est entièrement décorée sur les côtés. Donc sur des côtés on va avoir un motif noir comme celui-ci. On a de l'autre côté le motif vert et sur les côtés on a deux motifs comme ça. Donc déjà elle est super super jolie. Donc là on retrouve ici le donc DVF avec un petit cœur et My Little Box. Déjà au niveau du packaging, la box est absolument magnifique. Diane von Furstenberg, je vous en reparlerai un petit peu au fur et à mesure de la vidéo, mais en fait pour aller plus vite, on va dire que c'est une créatrice de vêtements qui a eu un grand succès grâce à la wrap dress, donc la robe portefeuille, et grâce aussi à ses motifs qui sont assez originaux et vraiment propres à cette créatrice-là. Donc voilà, c'est pour ça que là, les motifs qu'on retrouve ici, c'est les motifs type DVF. Et donc, on la voit qui porte une de ses fameuses wrap dress sur la boîte. L'étiquette disait « Love is life » Diane von Furstenberg. Donc voilà, l'étiquette se présente comme ça. On retrouve tout autour le motif. Donc « Love is life », l'amour, c'est la vie. Et donc voilà, une étiquette très sympathique. Le ruban, ce mois-ci, c'était un ruban noir, tout ce qu'il y a de plus banal, mais j'ai envie de dire qu'il correspond très très bien à la box, donc pas de soucis. Pour ce qui est de l'aquarelle de Kanako, elle dit « Be the woman you want to be » et Diane, donc c'est sa citation fétiche en fait, on va dire. Donc « Sois la femme que tu veux être », et ça c'est un très très bon conseil. Soyez vraiment, que ce soit femme ou homme, soyez les personnes que vous avez envie d'être et pas celles que vous voyez chez le voisin. Donc au niveau de l'aquarelle, elle est comme ça. Donc on retrouve l'image de la couverture, sauf que cette fois-ci elle est allongée sur un bureau avec je pense que ça doit être New York ou des choses comme ça. Donc on retrouve des gratte-ciel à l'arrière et puis là des rouleaux de papier tissu. Franchement c'est une très jolie aquarelle, ça change un petit peu d'habitude, et le fait qu'elle soit personnalisée à la créatrice, je trouve ça vraiment super sympa, avec sa citation, avec une police d'écriture un peu différente, etc. Franchement très très belle aquarelle parmi les autres, elle rendra super bien. Le My Little World au niveau de la couverture, donc il est comme ça, et donc tout le magazine porte autour de Diane. C'est spécial DVF, donc tout tourne autour de ça. Laissez-nous ce petit plaisir, car la créatrice new-yorkaise s'invite dans vos Little Box. Elle est une icône indétrônable de la mode depuis les années 70. À 26 ans, cette styliste belge fraîchement débarquée à New York dessine une petite robe imprimée. Elle s'appelle la wrap dress, la robe portefeuille en français, et elle va chambouler sa vie. Dès sa création, ce nouveau basique du vestiaire féminin sexy mais assez sage pour s'afficher au bureau s'arrache à 5 millions d'exemplaires dans le monde en seulement un an. Cette année, sa wrap dress, la robe qui lui a permis de payer ses factures, comme elle aime en plaisanter, fête ses 40 ans et n'a pas pris une ride. Pourquoi ? Parce qu'elle plaît aux garçons et aux mères des garçons, nous a expliqué Diane. Prenons-en de la graine. Je trouvais que le magazine était hyper intéressant du fait de parler de sa vie. Je me suis pas du tout ennuyée. Pourtant, c'était vraiment une créatrice que je ne connaissais absolument pas. J'en avais jamais entendu parler, et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le magazine et à apprendre un petit peu sur sa vie. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà Diane telle qu'elle est aujourd'hui. Donc avec sa fameuse wrap dress, donc c'est vraiment des très très jolies robes. Je comprends pourquoi elle a eu un tel succès, parce que les imprimés sont très jolis et originaux, la matière est très fluide, très légère et agréable à porter, super facile à enfiler comme un kimono. Et donc là, voilà comment était Diane
Quand elle était jeune, c'était vraiment une femme absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle était vraiment très très jolie, hein. On a l'interview de sa nièce qui porte une robe portefeuille comme vous voyez. Donc ça fait vraiment des robes très très chic, mais à la fois décontractées. Ça dépend comment vous associez, comment vous les associez finalement. Et à la fin, on retrouve comme d'habitude les petites recettes. On a tagine de poulet et quinoa au crabe, donc qui est comme ceci. Donc c'est sûr que ce mois-ci, on n'a pas vraiment tout ce qui est recettes de beauté homemade, Help Simone machin. On n'a pas trop ces petites rubriques là, mais je trouve qu'il est très très bien fait pour autant. Et moi je connais pas trop tout ce qui est créateur de mode, etc. Et là j'étais vraiment super contente d'apprendre beaucoup plus de choses sur cette créatrice qui est vraiment super intéressant. Donc là ce magazine, je l'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il n'est pas comme d'habitude, je le trouve très très bien. Alors le premier goodies, il se présente donc comme ceci. Donc il s'agit d'une petite broche comme vous voyez en forme de bouche, en forme de bouche rouge. Donc vous avez à l'arrière la petite épingle pour pouvoir l'accrocher. Et elle dit Akis from Diane, il y a les accessoires qui vous donnent du style et ceux qui donnent de l'assurance comme cette bouche DVF à épingler sur toutes vos tenues. Donc en fait si vous voulez cette bouche, c'est vrai que sur le coup on pourrait se dire mais c'est quoi cette broche, pourquoi avoir une bouche, etc. Et en fait quand vous lisez le magazine et que vous lisez l'interview de DVF, ils disent en fait vous avez aussi voulu glisser une broche en forme de bouche dans la box, c'est l'un de vos totems n'est-ce pas? Elle répond, c'est toute une histoire, cette bouche sort d'une couverture que j'ai faite pour Interview Magazine en 76. On l'a déclinée par la suite en noir, blanc et rouge, puis la bouche a voyagé d'elle-même, elle est devenue naturellement un symbole de la marque. Donc voilà, en fait si vous voulez, c'est vraiment le symbole de la marque, cette bouche qu'on peut voir un petit peu partout. C'est son icône, voilà, c'est l'icône DVF, c'est cette petite bouche. Et je trouve ça mignon comme tout. Alors il y en a peut-être qui vont trouver ça un peu cucu d'avoir une bouche sur leurs vêtements ou je sais pas quoi, mais à la limite vous n'êtes pas vraiment obligé de poser sur vos vêtements, mais par exemple ça peut être sur une écharpe, ça peut être sur un bonnet, sur le côté, enfin vous pouvez vraiment le mettre un petit peu partout. Et moi je trouve ça vraiment super mignon, une petite bouche comme ça. Puis voilà, à la limite même si on se moque un peu de vous pouvez dire hey, attends, je suis en train de porter l'icône d'une super grande créatrice de mode internationale. Donc voilà la petite bouche, regardez comment c'est super mignon. Alors sur un petit top uni bien sûr ce sera beaucoup plus joli, mais voilà on porte ça et je trouve ça adorable comme tout. Je pense pas que je porterai sur mes vêtements, mais à mon avis une écharpe ou bien un chapeau ou un bonnet ou quelque chose comme ça, il y a moyen que ce soit quelque chose de super sympa. Et au final c'est mignon comme tout. Tenez, je vous le montre d'un petit peu le plus près. Pour le deuxième goodies qui était assez gros, il se présente comme ceci. Donc il se présente dans une pochette, donc on retrouve exactement les mêmes. Oh, il y a du soleil, mon dieu, c'est magnifique. On retrouve les mêmes motifs que sur la box, je vais les trouver. Donc ça se présente comme une petite pochette super mignonne. J'ai fait vraiment super attention quand je l'ai ouverte, parce que c'est tout à fait le style de petite pochette que je voudrais garder. Bon, c'est un espèce de carton, donc c'est pas la pochette que vous allez prendre pour sortir, mais ça peut servir pour ranger des choses. Et elle est vraiment très mignonne, donc DVF My Little Box qu'on retrouve ici. Et donc quand on ouvre, elle se présente comme ça. Tac. Donc packaging très soigné. Et à l'intérieur, on a un foulard. On a un foulard, donc le foulard qui représente les motifs types de la marque Diane von Furstenberg. Vraiment, c'est ces motifs types. Je sais qu'il existe trois types de foulards, je vous laisserai aller voir sur Google. Si vous voulez voir les autres motifs, en tout cas, moi j'ai eu celui-ci. Et ça représente vraiment ces motifs, ces couleurs. Et au niveau de la matière, c'est quelque chose de très fluide. Donc ça représente aussi bien les robes qu'elle fabrique. Donc le voilà, je suis ravie. Je suis super contente de la version que j'ai eue. Les autres sont très jolies, donc j'aurais été très contente d'avoir les uns ou les autres, peu importe. Mais je trouve celui-ci vraiment magnifique et super original. C'est un foulard qui a des tons rouges avec un petit peu de mauve et comme des espèces de pseudo tache léopard bleu marine. Je vais vous montrer le motif de près. Enfin, regardez ce motif, comment il est magnifique. Je le trouve super beau. Il est léger, il est doux. Il est assez grand. C'est un
Voilà, c'est un très très beau foulard qui tombe à pic pour la saison de l'automne. On n'a pas encore envie de porter des grosses écharpes en laine, mais qu'on n'a pas envie d'attraper un petit coup de froid, qu'on veut se protéger la gorge. C'est tout à fait le style de foulard qui va très bien correspondre tant au niveau de la matière, parce que c'est très léger, mais aussi au niveau des couleurs. On n'a pas forcément envie de tout de suite se plonger dans du gris, du marron ou du noir. C'est coloré, mais pas non plus super pop, genre fluo. Donc je suis ravie. Et à l'intérieur, on retrouve différents petits tutos pour le porter de différentes façons. On a en cravate, en headband, sur votre sac ou en triangle. Donc voilà un petit peu toutes les petites façons de le porter. Alors voyons voir un petit peu ce que ça donne. Il est magnifique, regardez. Bon, pareil, ça ne va pas du tout avec mon haut. Mais oh là là, c'est super. C'est magnifique. Il est super joli. Regardez-moi ce motif. Et il est très agréable à porter. J'aime beaucoup. Il le présente aussi en headband. Que ça donne aussi en headband, je trouve ça super joli. Bon, ça fait un petit peu pirate sur les bords, mais je trouve ça très très joli. Avec un nœud un peu mieux fait, ça serait encore mieux. Après, je porte très rarement des foulards sur la tête, mais pourquoi pas. Et voilà, je le trouve ravissant ce foulard, j'en suis ravie, hein. Et sinon, on peut le mettre aussi en façon un peu keffier. Voilà, la dernière façon. Adorable, super joli, trop mignon. Donc ce foulard, je pense vraiment qu'il va devenir mon nouveau petit chouchou du mois d'octobre. Enfin, c'est voilà, le goodies qui correspond parfaitement au thème et qui plus est par-dessus le marché correspond à la saison. Que demande le peuple? Il est magnifique, je n'avais pas des comme ça. Et c'est vrai qu'en magasin, je me serais peut-être pas retournée dessus parmi le reste, mais maintenant que je l'ai, voilà, je l'adore. On va passer au pochon de produits. Donc le pochon de premier abord est tout simplounet et on retrouve le logo de la marque de Diane, donc DVF avec un petit cœur et My Little Box. Donc hop là, c'est parti, je sors les petits papiers et tagadagada, on commence. Et le premier la ferme. Merci. C'est Diane von Furstenberg vous offre une remise exceptionnelle de -20% dans une de ses boutiques parisiennes ou sur le site eu.dvf.com avec le code MyLittleBox tout attaché en majuscule. Offre valable jusqu'au 15 novembre 2014. Alors le premier produit sur lequel je tombe, donc c'est un produit de la marque Herborion, Korean Skin Therapy. Donc j'ai beaucoup entendu parler de cette marque, notamment pour leur BB crème et leur CC crème, mais je n'avais jamais testé. Et moi, donc il y a eu 3 versions, il y a eu 3 crèmes différentes il me semble, et moi j'ai eu la Pink Perfect crème au Diospyros Kaki, soin éclat perfection, grain de peau affiné, Secret Glow. Donc cette petite crème, on nous dit jamais un sans trois, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une peau libérée, tu sais, c'est pas si facile. Sauf quand on connaît la routine beauté du teint des coréennes. Là, avoir une peau rosée de bébé, c'est un jeu d'enfant. Et puis Herborion n'a pas lésiné sur les... Ah mais putain, mais arrêtez, s'il vous plaît. Juste un petit quart d'heure et après vous pourrez. Je vais me fâcher, alors là, que j'ai pas le droit de déplacer, hein. Et puis Herborion n'a pas lésiné sur les moyens pour nous filles en quête de teint parfait. Avec sa nouvelle Pink Perfect Crème et ses extraits de feuilles de kaki, la marque embellit votre grain naturel et réveille votre teint en manque de glow. Pour faire encore mieux que ça, vous pouvez suivre le rituel des coréennes de A à Z en peaufinant votre mine avec la pose de CC Crème pour tout lisser et finir par une touche de bébé crème pour unifier du travail de pro jeune fille. Donc je pense que parmi les 3 crèmes, il devait y avoir la bébé crème, la CC Crème et la Pink Perfect Crème. Je suis très contente de la version dont j'ai eu. Si j'avais eu besoin de choisir, j'aurais pris celle-là. Et donc la Pink Perfect Crème Herborion coûte 33€ les 45ml. Et là, on a 15ml. Ça fait donc 11€ la petite crème que j'ai là. Et on nous dit, si vous aimez votre nouveau tube Herborion, vous tombez bien. Si vous aimez les surprises, vous tombez encore mieux. Herborion vous offre vos prochains frais de port et une surprise. Pour toute commande, passez sur leur e-shop www.herborion.fr avec le code promo MyLittle. Offre valable jusqu'au 30 juin 2015 pour toute livraison en France métropolitaine, Corse et Monaco inclus.
Donc cette crème, je l'ai testée aujourd'hui même et je la trouve super. Franchement, je l'ai beaucoup aimée. Donc le petit tube se présente comme ça déjà au niveau packaging, c'est magnifique. Regardez, la boîte, elle est rose, mais rose avec, vous savez, comme les vernis holographiques. C'est un rose holographique avec plein de reflets multicolores de l'arc-en-ciel, magnifique. Et le tube se présente comme ça. Le tube est vraiment très très joli aussi, j'aime beaucoup. Et donc cette crème, donc je l'ai testée ce matin, elle a un petit embout comme ceci et elle a une odeur très agréable, une odeur assez légère mais qui est très agréable. Donc vous voyez, la petite crème, elle est un petit peu rose comme ceci. Quand on l'étale, je sais pas si vous verrez, non vous verrez pas du tout, peut-être avec les reflets, mais ça fait quand même un petit, si on voit quand même, là vous voyez un petit peu l'effet glowy que ça donne, regardez. Regardez par rapport au reste de ma main, on voit bien que l'endroit, c'est-à-dire juste ici là, l'endroit où j'ai mis de la crème, c'est tout glowy. Ça respecte vraiment bien ses promesses de ce côté-là. Je trouvais vraiment que j'avais le teint plus lumineux avec cette crème-là. Au niveau hydratation, elle casse pas de trois pattes à un canard, je trouve. Elle hydrate comme beaucoup de crèmes que j'ai déjà essayées. Mais le côté glowy avec une odeur très agréable, franchement, ça en fait une très bonne crème et j'en suis ravie, vraiment ravie. Cette crème est très 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 bien et je l'ai beaucoup aimée. Deuxième produit sur lequel je tombe donc, c'est un produit de la marque L'Atelier Maquillage Duo Ligne et Lumière. Donc c'est un crayon yeux et sourcils. Les sourcils sont l'accent qui donne au visage toute son expression et c'est bien vrai. Donc le duo parfait pour sublimer et illuminer votre regard. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? À la recherche du regard parfait, base, crème, bébé crème, poudre, blush, crayon, mascara, poudre, gloss, belle routine, belle maîtrise, bravo. Mais vous oubliez le détail qui change tout, la touche qui va faire la diff dans votre regard. On désigne votre adjuvant, le crayon à sourcils de l'Atelier Maquillage. L'Atelier du sourcil a bien compris que vous aviez besoin d'un coup de crayon à domicile. Pour ça, vous pouvez faire confiance à l'Atelier Maquillage. Et surtout un crayon aux deux personnalités bien trempées. Côté fonceur, il se pointe avec sa jolie tête brune, convenant aussi bien aux crinières blondes. Et comble les petites imperfections pour souligner et densifier le tracé de vos sourcils. Côté romantique, il montre son visage rose poudré, prêt à illuminer le dessous de vos sourcils et révéler le point stratégique qui booste votre regard. Verdict, ça biche pas mal cette astuce de pro. Donc ce crayon duo et lumière brun universel coûte 16,90€. Donc c'est vraiment pas de la gnognotte, hein. Ils sont pas fichus de nous parce que quasiment 17 balles, hein. Un crayon à sourcils, voilà, je pense que ça va être une très bonne marque et ils sont pas du tout fichus de nous. Au niveau du packaging, vous voyez, je trouve que la boîte, c'est un très joli packaging, un petit peu prune comme ça, avec des petits motifs sur la boîte. Donc voilà, le crayon se présente comme ça, c'est un crayon double en bout, qui est blanc avec les bouchons un petit peu prunes. Donc on a d'un côté la partie pour tracer les sourcils, donc là forcément elle n'est plus aussi pointue puisque je l'ai utilisée. Donc on a la partie pointue pour tracer les sourcils qui est plutôt brun, mais comme vous avez compris, c'est un brun qui peut correspondre à tout le monde. Après il suffit de doser tout simplement, mais voyez au niveau de la teinte, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus foncé, donc même les blondes pourront y trouver leur compte. Donc ça c'est super bien d'avoir mis un produit qui convient à tout le monde. Ils ont pris le produit qu'il fallait puisque dans leurs abonnés il y a un petit peu tout le monde. Et de l'autre côté on a une plus grosse mine avec un côté un petit peu rose, rose chair comme vous pouvez voir, qui est très très jolie. Et donc cette petite partie rose comme vous voyez ici, c'est pour mettre des touches de lumière. Peut-être bien que vous pouvez aussi l'utiliser pour le mettre en muqueuse, hein. Après tout en crayon c'est pas bien méchant, pour pouvoir agrandir le regard. Et donc voilà, c'est une très jolie couleur qui peut se mettre sous le sourcil. Donc c'est ce crayon, je l'ai utilisé aujourd'hui donc pour faire mes sourcils. Je trouve que la couleur correspond très très bien. Ça fait pas un effet trop foncé non plus, il a pas été difficile à appliquer, il est pas trop gras ni trop sec, donc au niveau de la texture il est très bien. Et sous mon sourcil j'ai mis la petite touche de rose comme vous pouvez voir juste en dessous. Bon là la caméra on a l'impression que c'est pas du tout estompé, que ça fait quelque chose d'aneth, mais c'est pas du tout le cas en vrai. Mais on voit bien que ça fait un petit effet de lumière en dessous du sourcil qui je trouve est très joli. Donc au niveau de la texture de ce sourcil, oui, alors votre sourcil a une texture très, très sympathique. La texture de ce crayon je la trouve très agréable à utiliser, ni trop sec ni trop gras, et il est assez gros donc il y en a pour un moment. Et je cherchais quel crayon à sourcils utiliser après mon péguissage, si jamais je devais revenir au Yves Rocher ou non. Et là j'ai plus à me poser la question, celui-ci est vraiment très très bien. Et enfin
enfin, le troisième produit, comme vous l'aurez compris, c'est le produit My Little Beauty. Et donc, ce mois-ci, on a eu une eau micellaire démaquillante qui se présente comme ceci. Donc, au niveau du packaging, on retrouve un petit peu le packaging de la lotion tonique. Sauf que cette fois-ci, c'est dans un grand format, mais on a un petit peu le même bouchon, machin, avec des jolis motifs, un petit peu comme d'habitude. Sans faute, problème de mat du jour. Après une journée de travail, je vois dans mon miroir un teint encore maquillé, terne et fatigué. J'ai une seule minute devant moi, une humeur maussade et un coton. Comment récupérer un teint tout neuf? L'utilisation du dernier soin My Little Beauty est fortement conseillée. Bonne chance. Pour vous démaquiller en douceur, vous pouvez faire confiance à la toute nouvelle eau de micellaire de My Little Beauty. Dedans, de l'aloe vera tout cosy, reconnu pour ses propriétés hydratantes, et des extraits d'orange fortiche pour les teints les plus fragiles. Toute fraîche et très agréable et à appliquer grâce à une texture eau. C'est les rituels démaquillants des pros qui manquaient à vos fins de journée. Zéro faute pour ce mois-ci, 20 sur 20. Félicitations du jury. Cette eau micellaire, elle coûte 9€ les 150 ml. Et je l'ai utilisée hier soir pour me démaquiller. Alors moi habituellement une eau micellaire je m'en sers jamais seule. J'utilise d'abord un produit nettoyant, enfin démaquillant style lait, gel, huile, tout ce que vous voulez. Enfin d'abord un produit démaquillant et ensuite une eau micellaire ou une lotion pour parfaire le démaquillage. Oh putain mais franchement tu me saoules merde à la fin. Mais en plus y'a que toi qui fais ça bordel. Zen, soyons zen. Donc cette eau micellaire, je m'en suis servie hier soir et c'est vrai qu'elle démaquille très très bien. J'avais le coton entièrement crade, donc la preuve que le maquillage était bien parti. Après je pense que pour que tout parte vraiment, il faut au moins utiliser 2 voire 3 cotons, tout dépend du maquillage. Donc c'est pas très économique, c'est pas très écologique, c'est pour ça que je préfère utiliser un produit d'abord démaquillant avec mes mains que je rince à l'eau. Et ensuite sur un seul et unique coton, je parfais le démaquillage avec une eau micellaire. Donc je l'utiliserai comme ça. L'odeur est super agréable, assez subtile, mais elle sent super bon. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette odeur, ça sent tellement tellement bon. Elle est très agréable à utiliser, enfin voilà, c'est une eau micellaire efficace, agréable, qui sent bon. Donc très bon point, très très bon point. Et je pense que je vous ai tout dit, et voilà, le pochon est vide de la box. Je vous ai tout présenté pour cette box. Bilan, je l'adore, elle est géniale. Le thème, j'ai beaucoup aimé découvrir une créatrice que je ne connaissais pas, raconter un petit peu son histoire, son succès, machin, j'ai beaucoup aimé. Les goodies, 100% raccord avec le thème, qui sont très mignons, une petite broche, le foulard qui est somptueux. Les produits, je les ai tous aimés, ils sont tous efficaces, ils tiennent tous leurs promesses, je trouve, ils sont vraiment très très bien. Le Herborian et l'atelier du maquillage, ce sont deux marques que je ne connaissais pas et donc ça va me permettre de tester et j'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que cette box est vraiment très très bien, ils l'ont parfaitement réussi. Voilà, je n'ai rien à redire, elle est parfaite. Donc voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle version vous avez eu, par exemple le foulard, le produit. Dites-moi ce que vous avez eu, si elle vous a plu ou déplu et pour quelles raisons. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.